Je suis encore à l'école, mais je pourrais... J'ai hâte d'aller à Préolar. C'était cap. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous... C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller à Préolar. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai hâte d'aller à Préolar. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la... Oh Éléazar ! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. We'll be right back.
heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez! Non. Bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Eh bien, salutations tout le monde, San 27. Aujourd'hui, on se retrouve encore en Legacy, épisode 1. Enfin, il est sorti ce petit jeu. Comme tout le monde, je pense. Ouais, je l'attendais à mort, quoi. Depuis des années, d'ailleurs.
loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez que le port au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Bah, en fait, il n'y a qu'un chemin, donc pas besoin de chercher un chemin. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ok. Il faut spammer la gâchette. Pour les sélectionner, certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible. On verra ça. Allez, c'est parti, la porte tout pété. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Le maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Eh hey, le vieux là, lâche-toi. Y a-t-il là-bas? Toi tu veux me faire passer par ici, mais moi je suis pas trop trop là. Par contre, ça sert à rien de péter les vases pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, pour l'instant c'est un peu à rien. Ah bah si, y a un coffre là. Allez, 58 pièces d'or. On est plein les fouilles, ça commence. Nous y sommes. On se gloutonne. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Ça fou hein. Nous y sommes presque. Par contre ça souffle hein, dans le casque là, le Mistral quoi. Quoi ça?
Genre, pingouin là. Hop, 30 pièces. J'ai pas de pain. Par contre, c'est chiant là, je peux pas cavaler quand je veux. Un petit truc en bas là par hasard. Ah non, je peux pas descendre. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ah déjà, on va aller voir le mur. Ah, alors, la mini-carte vous montre l'envie à votre environnement. Vous, d'accord, le milieu de la bonne présente. Objectif actuel. Ok, ça marche quoi. Voilà. Le professeur et moi avons utilisé un porte-loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-loin était censé nous conduire. Bon là, il y a un truc à interagir, mais on va pas le faire tout de suite. Quand même fouiller, regardez vite fait, c'est que dalle. Je pourrais pas descendre par là par hasard. Derrière la statue, il n'y a pas un petit quelque chose, un petit coffre. Professeur, cette statue... Vous devez sans doute vivre ici. Professeur, ouais, elle doit vivre ici. Mais laisse-moi finir. Ah, ok. On va quand même faire le dialogue avec le vieux, là, vite fait, là, ici. Professeur... C'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Sale tête quand même, perso. Hein. La coupe aussi, j'aime pas trop. Mais bon, c'est ce qui se rapprochait de le plus de ce que je voulais. Donc bon. On s'habituera peut-être avec le temps. Ah, les lunettes, il n'y avait pas ce que je voulais. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! c'est bon, calme-toi. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Bah, j'irai avec la magie. Ah! Ça alors, par Merlin! Par Godric! Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Ouais, à la banque. Il y a quelqu'un? Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers.
Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Non, je suis du gobelin. Est-ce que je suis aussi blindax que Harry, moi ? Juste Harry. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon ? Il y a l'eau, hein. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Je vais faire un cours, lui. Le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Hop hop hop, putain, il y avait un truc là-bas. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Mon petit coffre à 30 pièces d'or. Il n'y avait pas autre chose. Nope. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous les pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... que j'allais dire. Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous.
Alors, stabiliser votre baguette avec elle. Il est là le long du symbole pour apprendre le sortilège. Ah merde, il fallait que j'appuie, ok. Il fallait que j'appuie sur... ok. Donc, là. Tac. Tac. L'épingle... Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Je vais pas faire un petit lumos là, parce qu'on y voit que deux chiffres. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je peux pas faire Lumos moi aussi, là. Rebellio. Ce sort de merde. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Rebellio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Eh, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Hop, hop. Voilà. Avait-il... Voilà. Vous avez obtenu le sortilège de l'image de baguette, le bloc automatique. Maintenez RT. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Alors, utiliser Protego face aux attaques ennemies 3 fois. Ah ouais, mais par contre, si l'autre il m'enchaîne... Dieu, il était trop chaud, il est foudroyé. Alors... Hop là, regarde, t'es mal en boulotte. Professeur? Professeur Fig? Lumos? Professeur, où êtes-vous? Oh, je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller.
qui se passe. Essaie-tu. Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette peur. Evelio, je vais devoir me débrouiller cette fois. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ouais. J'avais pas vu l'attaque de loin. Ok, dès qu'il y a le truc où je me protège. Ok. Maintenez Y. Protego. Contre-attaquer. Et pourquoi elle m'a fait Lumos en plein combat. Ah, par contre, le truc resté appuyé, ça marche pas trop. Et ouais, le truc reste appuyé, ça marche pas tout le temps. En plus sur RT, en même temps RT c'est pour Y, c'est pour Lumos. Pas pratique quoi. Lumos en plein combat. Voilà. Comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles,
Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas, mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend.
Bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Attention, Ron Weasley. Ah, bon, moi, Gryffondor. Oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Une loyauté à toute épreuve. Je suis une véritable amie, et j'apprécie ce trait chez les autres. Vous n'abandonnez pas facilement. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Non. Non. Je suis sûr qu'une autre maison, Poufsouffle, craqué ou quoi? Poufsouffle, connard, mais il a fait... Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Bah oui. Poufsouffle, sorti. Félicitations, Gryffondor! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit
Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Déjà en retard, quoi. Bon, bah, l'excuse du truc de qu'on n'a pas de Quidditch, on sait pourquoi, quoi. La vieille excuse. Bon, je peux pas voler des trucs. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, hors de la falaise. Non, mais Poussoufle, quoi, ça m'a bien fait rire, ça. Ouais, ça pousse. Non, mais. Qui c'est qui a envie de jouer Poussoufle? La porte, normalement c'est celle-là. Café à où? Pas qui il est, mais tu le vois quand même. Les petits pas de sur le bois là. Non, pourquoi ça brille? Ok, c'est l'eau. Au petit café. Oui, la salle commune, déjà. On visite un peu. Avec les petits points sur la carte. Hein. On va pas se perdre, mais bon. On va faire visiter. Xvidge. Il y a un petit coffre. Pièce, je les ai volées, mais c'est pas grave. Être encore à Harry, ça. Le mec blindé là, qui arrive dans 50 ans. Là. Ah, par contre, toi, il y a 400 étages, quoi. Autant la salle de principale, là, où il dîne et tout, avait l'air petite, mais. Ce que je pensais, le jeu Next Gem où t'as une capuche en reflet, quoi. C'est... Ah, c'est même pas que c'est une capuche, on dirait juste que ah, c'est ça, que le visage en fait il s'est tiré à mort en avant. Ah bon, ben, de manière, ça, on a l'habitude hein, sur les jeux de nos jours que c'est feignant, quoi. J'ai éclaté un truc là, je sais pas à qui c'était. On bouffait une pomme. Oh, t'as des sacrés pas, elle te tout.
Allez, on se barre. Arrête là, tout le monde. De fouiller tous les trucs. Il y a un miroir. Ah, mais regardez-moi ça. C'est honteux ça. C'est honteux. Mais ça, c'est honteux ça. Et hop, une petite capture d'écran. J'ai mérité tellement que c'est honteux. Petit bang. Ouais, ça se fait, ça me. Ça m'énerve ce genre de truc là, les miroirs là. Bon, allez. On va avancer, ça sert à rien de fouiller pour l'instant. Un peu trop. Je vais tous vous surpasser quand j'aurai mon stuff. C'est l'élève de 5ème année qui vient d'arriver. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon, comme ce pauvre homme du ministère. J'ai du mal à imaginer comment c'est aussi tard que tu nous fais. Laissez passer. Pour que je prenne une belle, Nelly. Allez-y, buvez une gorgée. Tu ne veux pas goûter? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour. Tu es l'élève de 5ème année qui vient d'arriver? Enchanté, je suis Gareth Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable! Je suis content que vous alliez bien, figuez-toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence? Oh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci, Gareth. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley? Ouais, c'est ma tante. Ce n'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre? Dès le petit déjeuner? Hein? Oh non! J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions. Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiganweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord. Il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. C'était un plaisir, Gareth. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Moi aussi, je suis un pro... d'alchimie. Je fais des bons cocktails aussi. Par contre, elle fait que bouffer des pommes. Cette fille pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle. Ok, elle, c'est la cassos. Je l'aime déjà pas. J'ai raté cette fois. C'est l'intello, sûr. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oh, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivé juste à temps. C'est vrai que tu es la protégée du professeur Fig? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges à formuler. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Elle m'énerve à tenir sa, ses mains là comme ça là en mode bourgeoise là. Ah putain, enlève-moi ça. J'ai dû couper là. Un peu d'entraînement et tu y arriveras. Je me suis entraînée tout l'été. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça sans parler. Pourquoi celui-ci me donne tant de mal?
Je vais continuer à travailler. Est-ce difficile de lancer des sortilèges informulés ? Oh, oui. Et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer Repulso sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pudding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés ? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année. Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Bon, je vais te renommer Hermione. L'autre là-bas, ça sera Ron. Moi, ça sera plus simple. Il y a quoi, là ? Coffre de la maison. En gros, c'est ton coffre pour placer ton stuff, j'imagine. Comme dans les maisons, dans les Elder Scrolls, j'imagine. J'espère qu'un professeur coincera ses doigts. Un professeur pourrait arriver. Pourquoi tout le monde... C'est Harry en meuf. Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai pour le dragon ? C'est vrai, mais je... Nous nous en sommes bien sortis. Apparemment, tu as déjà la réputation d'être téméraire, on dirait. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. M'énerve, sa voix là, comme elle parle. Ah, c'est horrible. J'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi ? Oh non, et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. Je pense qu'on se recroisera, soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Ouais, ma Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Supporter. Et qui toi ? Là, on dirait le Weasley là. Encore. En même temps, ils sont 400 eux. La famille. Tu rentres comme un hobbit quoi. Sérieux, faut se mettre à coup. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard, Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par « suivre ma progression » ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Je te suis. Par ici. Ancêtre de Ron. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers.
J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Je suis juste derrière. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Pas juste sur ces récupérés. Ce portrait représente le sorcier du feu océan pour son exil cérébral. Et un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations pas bien prononcées prononcent à la place d'un P. Sam se retrouvera avec un bison sur les épaules. Venez de débloquer un défi. Les sorciers, votre progression à 1 est affichée. Attention, les pages du sorcier à Poudlard 1 sur 2. 90 XP, les défis nanana sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ah bon? Voici votre niveau de sorcellerie, l'XP obtenu au cours du défi augmentera votre niveau et votre puissance. Faut juste faire des défis là pour genre quand on va tuer des ennemis ou quoi, ça va rien changer. Votre guide du sorcier. Une progression dans les faits actuels. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Alors, chaque défi comporte plusieurs niveaux de récompenses spéciales sans débloquer à chaque niveau. Ah, ok. Là, c'est des lunettes récupérées de pages du guide, sorcier à Poudlard, récompense d'apparence, équipement, lunettes royales de Poudlard. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi, consultez-le souvent afin de récupérer la récompense que vous pouvez débloquer. Que vous avez débloqué. Ok. Et donc, start, inventaire, qu'est-ce que nous avons ? Inventaire talent, collection. Outils, ennemis, tenue. Ok, tenue. Page de Révélio, créature, balai, ingrédients, invocation, et défi. Map. On va voir l'équipement quand même vite fait. Peu lent quand même. Okay. C'est soir des mains. On va lui mettre des gants. Non, c'est pas ce genre de lunettes. Quoique. Okay. Ouais, je sais même plus. Ah, les lunettes que je veux. Mais bon. Rochette. En soi, le français. Non. Ah, petite écharpe. Non, elle est pas belle. Ah, attention, hein, cape verte et tout. Direct. Ok. Donc on va lui mettre des petits gants et voilà. J'ai plus ça dans l'histoire principale. Parce que bon, là, j'ai une soi-disant une baguette d'occasion. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités. Réveillons celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Canaille sert à quoi là? Alors, de niveau 1, il faut être une classe voleur. Va niquer ta mère et un petit chat. Et oui, toi le beau Mimi. C'est qui le beau petit chat? Et toi le beau petit chat? Et oui, t'es un beau petit chat. Allez, à tout à l'heure petit chat. Petit chat.
Ah, oh, ta gueule, toi, tu vois pas, je suis en train de caresser le chat. Chien. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Donc, Poudlard est divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où on vivent les élèves et les professeurs. Il y a 8 les salles communes et chacun a zone ainsi. Donc, sélectionnez la zone sud pour continuer. Là, c'est pourquoi il brille celui-là. À l'aile sud. Mais le sud, pourquoi il est en haut le sud? Pour moi, il est plus en haut que bon, bref. De toute manière, canon quoi. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminée disponibles dans cette zone. En vert représente les flammes que vous avez découvertes. Vous n'avez pas encore trouvé, ouais, pas classique. Côté droit de la carte, trouvez les points d'intérêt académiques tels que la tour d'astronomie, la vue des serres. Ok. Bibliothèque. Professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette Hall Central pour vous. Hall Central. Et appuyez sur X. Alors, chargement. Nous y sommes. Ah, cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le Hall Central. Revelio. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Grand quand même, ça. On fait un bon taf quand même, parce que ça a l'air vraiment d'être grand. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Ah bah c'est vrai qu'il n'y a plus rien, moi j'ai plus d'hibou, j'ai perdu mes fringues. Vous avez mentionné Préolard, professeur ? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin après Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. T'inquiète, je vais boire une bonne petite bière là. Et après j'irai faire les courses pour mes fringues. Bien raboute. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habileté à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ?
Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Ouvrez la gueule, tu veux dire. Moi, je veux picoler. Allez, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Méfait accompli. Alors... Là, ça fait beaucoup. Alors, l'icône représente les quatre principales. Terminant les quatre principales, vous progressez dans l'histoire et débloquerez de nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'XP. Je croyais que tout à l'heure c'était le seul moyen, c'était en faisant des défis. Cours de défense contre les forces du mal. En gris. La carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur se situe. Bon, ça, c'est la Red Bull. Dans l'aile d'astronomie, ok. Je pourrais me perdre dans ce château. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée, flèche du haut. C'est ça pour trouver mon chemin. Et au cours de défense contre les forces du mal. Ok. Ah, génial, je vais me vomir dessus. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitent un certain niveau. Canassé, machin, ok. Dans ces cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs. Icône. Ou avec un papier, quoi, ok. Ou en tant que récompense de quête. Suivez les quêtes disponibles. Là, il y a un sort. Et là, il y a Axio. Donc, on va faire Axio. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle.
Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Merci. Bienvenue à Poudlard. C'est la boussole. Mon petit livre là. Qu'est-ce qui m'échappe? Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Donc, cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Il y a un pylône. Et il y a un scarabée. Je pense que ça paraît. Pour moi, c'est là. Je pense. Il n'y a pas de scarabée ici. Genre un scarabée. Je crois que les escaliers, et là, genre, il y a une statue. Ah, ce serait pas le point là qu'ils m'ont mis. Ah, si. Ah, ça va, c'est facile alors s'ils mettent le point. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Eh bien, tu me. Papillon. Vas-y, suis-moi. Allez, vas-y. Voyez. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Allez. Salut. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau, et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Et Amit, même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. T'as le seum un peu. C'est terminé. Et la lumière fut... 90 XP, level 2, plus 15 PV. Alors c'est qui le boss ici? Terminé les quêtes annexes. Par contre, attends. Du coup j'ai PEX niveau. Quête collection, défi, équipement. J'ai pas vu un truc. Genre compétence tout à l'heure. Ah, si, il y a talent, ouais. Talent, mais il est en grisé, talent. Pas pour l'instant, quoi. Ah, ok, niveau 2. Inventaire et équipement, le petit bonnet où? La carte défi quête. Paramètres. J'ai mis. Je sais pas si je l'aurais coupé au montage, parce que j'ai mis en mode de performance, donc les FPS, donc qualité d'image. D'ailleurs bon, ça c'est toujours, je trouve quelque chose de assez c'est que le livre.
Le truc mode performance Calitri, je trouve ça quand même assez abusé toujours. Je l'ai dit. Série X. Attends, je peux capter là. Un genre de casse-tête. Oh, sûrement appuyé. Non. Réveillon. Lumos. Revelio. Alors attends. 11 machin. Ah mais je suis censé savoir comment en fait ce que. J'ai un peu du mal à capter. Des symboles. Les symboles et le truc il doit faire 17 et j'imagine il a 21. Là il y a ce symbole là 11. Réveillon. Que tu là il y a pas un truc qui permettrait de prendre un petit. Ah ouais. Ouais, écoute, compris. Comme ça. Il y en a que 3. Avec 3. Il y avait lui, Bou, le machin. Le lézard. Et forcément que du. On va avoir un deuxième de. Comme ça, parce qu'il y en a un là, forcément. Que vous mijotez ? J'ai noté l'une de mes idées de potion. Celle de popo. Pas trop compris en fait là le tel. Hibou, machin, truc, parce que. Ok, araignée. Moi, il y a un deuxième comme ça. Pige. Oh. Tac. Là, je change carrément de zone. Professeur Black. Ça, je suis professeur Black. L'oncle de Harry. Quelques années. Ouais, non, quoi. Voilà, il est au-dessus. Il était là. Donc, hop. On va faire. Comme ça, on va voir. Alors, pour. Du coup. Le problème, c'est que c'est maintenant le truc qui est compliqué. C'est. Quel chiffre correspond à quoi en fait. Là. On va mettre ça ici. Là, il y a un. Alors, ça. Il n'y a pas de chiffre pour les. Dans la bibliothèque, il y aurait eu des textes par rapport à ça. On va voir ce qu'il y a là-haut. La cul, le machin. On va tenter avec. Avec ça à voir. Ce truc c'est que pas trop pas correspond. Truc. Réveillon. Pas un truc qui m'indique. Ça qui m'énerve un petit peu là. Pas correspond quoi. Lumos. Lumos, y a pas moyen d'avoir des chiffres à côté. Non. Ça, y a pas de chiffres là-dessus.
2. Bon, on va dire, j'avais peut-être eu un truc. Peut-être sur le nombre des. Genre 2 pattes. Là, je sais pas. On va dire 2 cornes. Bon, pareil, 2 pattes. Non, genre 4. Il y en a 3. 3, 5. Normalement, il y en a 6. 7, 8. Normalement, il y en a 8. Mais bon, là, sur l'image, il y en a que 7. Donc, peut-être que là, 7. On va compter comme ça. 11. L'autre, il y en a 7. 18. 18. Après, ouais, mais bon. Le problème, c'est que je sais pas combien il fait l'autre. 17. Ça et ça. Ça, plutôt. Ça et ça, on va dire. Ouais, mais non. Tant que j'ai pas le chiffre en fait. Je peux pas savoir. Alors, on va dire c'est un humain, donc 2 ou 4. On va dire 4. Avec les mains et les jambes. Ouais, bon, je vous avouerai que là j'ai pas trop le. J'ai pas d'indice. Lumos. Sur. Sur les symboles. Combien il chiffre, un petit peu compliqué. On va laisser tomber, hein, tant pis, on reviendra le faire plus tard. De manière. Je crois qu'il y avait aussi des œufs de Doxy, mais ça risque de tourner. On va regarder quand même, là il n'y a que dalle. On va regarder vite fait un dernier tour. Revelio. Pas grand chose, attends. Du coup, tac, j'ai dit qu'on allait faire ce cours. On va le faire dans la prochaine vidéo. Ok, je pense que la vidéo là, elle est pas mal longue, on va faire plus d'une heure facile, presque deux, je l'imagine. Okay. Donc, on va arrêter l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner. Et dans la description, vous avez mon Instagram, ainsi que ma chaîne secondaire, qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Donc les vidéos sont disponibles en 4K, et les vidéos disponibles, il y a de la BMW M2 qu'on a fait, la Honda S2000, la 1377, et bien d'autres choses qui vont arriver par la suite. Voilà. Donc on se retrouve très prochainement pour l'épisode de Sur Gord Legacy. C'était un 27. Ciao tout le monde, bye.